loin. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, ils au fond des ports. Il naviguait en Perpénard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des plectus en émergiture, c'était pas les littératures, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Capitaine et matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et Rabot, et si sur le ventre ils te tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, les anges il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, le credo leur confité hors aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. C'était en détresse, leur balançait des SOS. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas d'ouvent de lapin. Quand l'homme contre temps n'est manqué d'abord, c'est qu'il était mort. Oui, au jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. Quand on après coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en Perpénard sur la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Bambidou, bidou, dam, bambidou, dam, bambidou, dam, dam, bidou, didou, 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 dam. Merci. Et dans l'histoire, hein, dans l'histoire, ils vécurent malheureux, mais eurent beaucoup d'enfants. C'est pour ça, je lève mon verre aujourd'hui à l'amitié, la prospérité et à tous. Santé. Santé.